Bonsoir, je suis Sir Bekawan, nous sommes le lundi 18 janvier, il est minuit 22. Et j'avais dit que je ferais du Jurassic World, mais en fait non, j'avais envie de jouer à l'Horizon. Donc ce sera du Horizon ce soir. Cette nuit plutôt. Donc voilà. Yo. Salut les gens. Ah, comment ça va? Donc on a repris gentiment Horizon Zero Dawn aujourd'hui. On va continuer cette nuit. On va voir comment ça se passe. Et en espérant que ça se passe bien. Bon, j'ai fait encore un nouveau réglage. Vous remarquerez que j'ai mis en 60 FPS. Même si le jeu ne tourne pas en 60 FPS forcément, j'ai fait un nouveau réglage. Je voulais essayer un truc. Je voulais tester un truc, donc on va voir si ça fonctionne. Donc on va pas tarder, on va directement enchaîner, on va commencer direct. Pas se prendre la tête. De toute façon là je risque de faire des réglages encore pendant un bon moment. Vu que j'ai pas encore trouvé le bon truc. J'en suis sûr que je peux améliorer la qualité, j'en suis sûr qu'il y a un truc que je fais mal. Donc je teste des trucs. Par contre j'ai remarqué mon live de tout à l'heure, il était vraiment pas fort. N'hésitez pas à me dire quand le son est pas assez fort. C'est vrai que là, pour le coup, vu que je joue manette, je suis loin de mon micro, en fait. C'est con à dire, mais je suis assez loin de mon micro et... Tiens, je vais faire un test. J'ai ce nouveau casque et j'ai toujours pas testé le micro de ce casque. Au passage, pour voir. Parce que justement, quand je joue sur ce genre de jeu, on sait jamais. Hop... On sait jamais. Bah, ouais, dites-moi. Est-ce que c'est mieux? Pas forcément mieux. C'est pas forcément mieux, malheureusement. Belle contrée. Ouais, la qualité est meilleure. En ce qui concerne le micro, c'est pas forcément mieux le micro de casque. Ouais. C'est bon. Allez, on met ça correctement. Voilà. Je vais essayer de faire gaffe de bien parler plus proche de mon micro correctement. Ce qui va être compliqué. Là, voilà, je voulais aussi ajuster ça, histoire que ça cache pas. L'interface du jeu, pour ceux qui s'intéressent. Salut, I'm God Your Waifu. Comment tu vas, The Legend of Sardo? T'inquiète, maintenant je t'ai reconnu, t'inquiète pas. Au moins. Ouais, j'ai plus autant de fil qu'avant, mais je crois que j'en ai dans des boîtes. Je dois en avoir dans des boîtes, normalement, du fil. Là, par contre, il va falloir trouver les boîtes parce que... Là, j'en ai. Voilà, je vais pouvoir en récupérer un peu plus, voir si j'en trouve pas plus.
C'est bizarre, là il me dit que j'en ai 47 sur 50 et en fait pas du tout, non. Ouais, là normalement c'est bon. Ouais, là j'en ai 30. Déjà ça me permettra de faire pas mal de nouvelles flèches, ça va être pas mal. Ça super, et toi ça fait longtemps? Ça fait longtemps? Ça fait même pas une semaine. Ça ne fait même pas une semaine. Tiens, dis-moi, j'ai les champs de... Tu fais chier avec tes pseudos en fait. Parce que t'appeler The Legend of Sardo, c'est chiant. I'm God Your Waifu, c'est chiant. Une tempête de sable, on dirait, là, qui se lève. J'ai pas demandé ça, moi. Donc j'ai dit que j'allais faire la quête pour aller aider... Tiens, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de la qualité du stream? Dis-moi, ça a changé, c'est bien, hein. Oh, d'ailleurs, je me rends compte que le réglage que j'ai fait, là, est de qualité. Il est réellement de qualité. Et en plus... Ah ouais, il est carrément de qualité, il est clairement mieux. Le stream est 10 fois plus beau. En plus, c'était un truc basique. Oh là là, je viens de me rendre compte d'un truc là. Faudra vraiment que j'essaye sur Far Cry par contre. Donc direction nord. Et là ouais, la qualité est vraiment bonne. Rizael, au pire, un nouveau pseudo encore. Ah d'accord. Rizael, ouais bah c'est déjà plus simple. Mon cadeau. Message texte. Ça, je vous avoue qu'à une période, je les lisais tous. Tu m'aideras, petite plante. Là, ça ne sera pas le cas. Ouais, t'as vu, hein? Putain, oui, hein? Putain, oui, il est beau. C'est un truc de malade, hein? Malgré tous les détails et tout ça, là, je viens de... En plus, c'était pire cet après-midi parce que j'avais. Là, j'ai changé un réglage. Et pour le coup, c'est encore plus joli. C'est étonnant comme c'est encore plus joli. Donc dis-moi ce que t'en penses, mais... Ah, ils ont cru que je chassais le bestiau, mais alors pas du tout. Ils m'ont lancé la musique. Lui se fait définitivement attaquer. Et d'abord, je vais déclencher le feu de camp. Il a des problèmes. Ah ouais, bah je vais sauvegarder avant d'aller l'aider, le RN. Énervé. Content que ce soit réglé. Merci pour ton aide. Viens discuter un peu avec moi. Ah ouais, on va parler, t'inquiète. Laisse-moi juste le temps. Allez, qu'est-ce que t'attends? Tu veux voir sur Far Cry aussi? Ouais, je referai un test, je pense.
Arrête d'abuser quoi, quand même. Tu peux pas me parler ? On va se parler, mais attends, je loot, il y a du loot là. Laisse-moi looter avant. Allez, c'est sérieux, il faut qu'on parle. Que je suis fou la première vue, mais c'est bizarre, je suis pas fou là selon ça. Trop bizarre. J'ai consommé pas mal de... J'ai rien récupéré quasiment. Mais qu'est-ce que tu fais ici tout seul? Où sont tes hommes? Je refuse de les mettre en danger. Je n'hésite pas à risquer ma misérable peau, mais pas la leur. Désolé de t'avoir impliqué là-dedans. Oh, ne t'en fais pas. C'est une journée normale pour moi. Tu sais, éliminer des machines, traquer des tueurs. Ouais. Ton emploi du temps m'effraie. T'es prête à commencer? Ah ouais, il veut vraiment me parler. Ouais. Dis-moi exactement ce qui est arrivé à Ersa. Depuis le début. On ne sait pas vraiment. Elle est partie au beau milieu de la nuit avec quelques soldats d'élite. Des soldats d'élite? Mais elle ne t'a pas emmené? Non, je bois beaucoup trop. Elle a dû croire... Ah, bon sang, je sais pas, que je m'en sortirai pas. Les équipes de recherche ont trouvé leur corps au matin près des cadavres d'une poignée de Karja de l'ombre. Une embuscade. Des Karja de l'ombre sont des brutes. Elle est si défigurée qu'on ne peut même pas montrer son visage avant l'enterrement. Je suis navrée, Eren. Ouais, bon. Quand je trouverai ceux qui ont fait ça... Ils seront navrés aussi. Tu es sûr que ça va aller? Eh bien, je suis sobre, donc... non. Au moins, maintenant, tu as les idées claires. Ne t'habitue pas. Et tu n'as aucune idée de ce qui a pu la pousser à sortir en pleine nuit? Non. Mais ça devait être urgent. Un message, un rapport signalant une attaque des Karja de l'ombre, je sais pas, moi. Pourquoi les Karja de l'ombre feraient ça? Parce qu'ils nous détestent. En particulier Ersa. Parce qu'elle s'est alliée à Avad pour les expulser de Méridian. Ça fait 2 ans qu'ils pansaient leurs blessures. Mais ils ont fini par lui faire payer le prix. Bon. Montre-moi où Ersa est tombée. Je ferai mon possible pour t'aider. Allez, suis-moi. Allons-y, mon bon monsieur. Putain, elle est tellement stylée la tenue d'Aloy. Je suis tellement content d'avoir pu l'acheter. Qu'est-ce qui a poussé Ersa à venir jusqu'ici? Je sais pas. Ça n'a aucun sens. C'est le territoire des Karja de l'ombre? Non, ils ont enfreint le cessez-le-feu à la seconde où ils sont entrés dans la fissure. Ah, le jeu est vraiment beau. On y est presque.
C'est là. C'est ici qu'a eu lieu l'embuscade. Nos soldats ont fouillé la zone, mais ton petit appareil magique pourra peut-être trouver quelque chose. Il y a plein de flèches plantées de partout. Je dois trouver les ordures qui ont fait ça. Il y a une arme, là ? Ah ouais, c'est une lame. Deux secondes, je ramasse les plantes. Et ensuite, j'utilise mon appareil magique, comme tu dis. Voilà. Ok, j'ai plusieurs marqueurs. Des flèches éparpillées. Ces taches de sang ne ressemblent pas à ce qui s'écoulerait d'un cadavre. Une lance des Karja de l'ombre. Sûrement une armure des Karja de l'ombre. On dirait que quelque chose a été traîné. Ok, on a une piste par là alors. Elles sont comme neuves. Elles n'ont pas servi. On dirait que le sang a été étalé. On vient essayer de tracer peut-être une. Elle est parfaitement aiguisée. Jamais utilisée. Bizarre. Pas une seule rayure. Quelqu'un aurait déplacé un corps ici. Qu'est-ce que tu vois ? Quelqu'un a volé de l'équipement une ligne, de comme si le sang avait coulé du rebord de quelque chose, comme un chariot. Tu vois ? Des traces de chariot. Je pense que quelqu'un a amené les corps ici, puis les a éparpillés dans la zone. Attends. T'es en train de me dire que les morts auraient été tués ailleurs ? Pourquoi les Karja de l'ombre feraient ça ? Très franchement, je suis pas convaincue que les Karja de l'ombre soient responsables. Mais bien sûr que si. Bon, suivons ces traces et on verra bien. Hey Timbien. Deux corps. Et si on arrive à se coucher. Oh, vous avez une charme. Je ne les ai pas vraiment écoutés, donc forcément. Je débarque. Ça se gardera. Un feu de camp là. Ça va bien, merci. Et toi ? Sur le cul, comment elle est vachement bien la qualité de mon stream actuellement. Je comprends pourquoi il voulait tuer ça. Mais pourquoi simuler une embuscade ? On ne sait pas tout. Il faut qu'on trouve ce qui s'est passé. Là, dis-moi, Timbien, comment tu trouves la qualité du live ? Le stream, je parle de l'image. Hein. Parce que t'es pas revenu depuis que j'ai changé le PC de stream. Un réceptacle. Ça, on va pas les prendre parce que je pourrais pas les prendre.
Oh, et puis merde, je suis... J'ai plus de place. Ah non, il veut pas les prendre. Ah ouais, tu notes pas d'amélioration sur la qualité du live. Ah oui, il faut dire que la dernière fois qu'on a joué, on jouait à... Detroit Become Human, c'est pas du tout... Là, ça demande pas les mêmes ressources en termes de puissance, on est d'accord. Donc forcément, tu te rends pas forcément compte. Mais en gros, si j'avais joué à ce jeu avec l'ancien PC, là, je peux dire que ce serait une bouillie de pixels et de floutage et de... Les crachats de l'ombre. Mais ceux de ma tribu, les Océram. Alors c'est comme ça qu'on se salue dans ton peuple? Il y avait des dissensions. Oh! Ça appelle les machines. Prépare-toi. Oh merde. Sauter par-dessus. Sérieux, ça lui a rien fait? Putain, je suis con, je le fais exprès. Que tu peux pas éviter, tu sais. Là, par contre, j'aurais aimé être prévenu quand même. Ils ont tout misé sur les yeux de Marcus. Oula, qu'est-ce que c'est? Je crois que ça appelle les machines. Prépare-toi. Ouais, par contre, j'ai été surpris quand même que tu veux ça. Elle aurait spuné, j'y crois pas. Putain, elle fait chier, je peux pas m'occuper des deux à la fois. Ça, je suis bloqué. Thank you.
Là, ils les voient, les câbles, hein. Ils sont pas cons. Ils les voient. Ah, ils s'arrêtent, hein. Parce qu'ils les voient très bien, les câbles. Ils sont pas dupes. Ah, ils sont pas dupes. Ça fait office de barrière. Oui. Voilà. Des océrames, pas des carjas de l'ombre. Je me suis trompé sur toute la ligne, une fois de plus. Là, j'arrive pas à les immobiliser même avec 4 filins, quoi. S'il te plaît, les éclairs, ta deuxième même pas tombé. Je dois savoir ce qui s'est vraiment passé. J'y travaille. Ils étaient vachement plus résistants que les anciens, ceux-là. Alors, est-ce qu'il faut que j'augmente la puissance de mes armes électrifiées pour pouvoir les mettre KO? 2 secondes, je vais looter un peu tout le monde là par contre, mon pote. Tu m'excuseras, mais là, il faut que ça paye quand même. Tous ces déboires, il faut que ça paye. Ah ah ah! Attends. Ça devrait me donner l'avantage. Ouais, j'aurais pu l'utiliser quoi. Après l'avoir fait arracher, en fait, je peux récupérer l'équipement qui était sur le dos de la créature et je peux l'utiliser contre elle. Ça, c'est stylé. Ça, c'est le truc que je pouvais pas fouiller. Ouais, clairement, ouais. Ça fait aussi de jolis trous. Pas le même genre de trous, mais ça fait de jolis trous quand même. Tiens, Scorpion, t'étais là cet après-midi, dis-moi. C'est mieux que cet après-midi, là, pour le coup, la qualité. J'ai changé un réglage. J'ai besoin de votre avis parce que clairement je crois que là j'ai trouvé enfin le bon réglage, hein, pour le coup. Ok, donc retournons auprès de Erend et lançons la vision. On dirait des armes de l'avant-garde. Ces rochers, ils sont brisés. Il y a tellement de sang. C'est quoi ces lanières en cuir? On dirait qu'on peut adapter un accessoire sur ce truc. Donc il y a des trucs à looter là-haut. Il n'y a pas de sang dessus. Les hommes d'Ersa n'ont pas riposté. Ouais, c'est bien ce que je me disais, c'est quand même mieux là. Quelque chose a frappé ces rochers. Quelque chose que je n'ai jamais vu. Beaucoup de gens sont morts ici. Un vrai carnage. Et le truc, tu veux savoir c'est quoi? C'est que... Des sangles d'armure, coupées avec un couteau. C'est qu'en plus mon processeur déconne moins pour le coup. Il est moins pris à partie, en plus c'est ça le pire.
C'est que je suis moins emmerdé. Là, à côté du trépied. Une batterie utilisée. Avant d'aller parler à Erend, je vais essayer de grimper sur... sur le toit de ce truc. Apparemment, il y a quelque chose, il y a des trucs intéressants. Des trucs intéressants là-haut. Ah bah je suis con, le cordage là je peux monter normalement. Ah, je peux pas monter. Dans ce bordel, normalement on peut marcher dessus sur ces cordes. Pour grimper. Ah non, là je peux pas. Je trouve le moyen de monter, mais là. T'inquiète pas, c'est bien propre. Bon, ça vient quand Star Citizen là? Star Citizen, ça vient quand il y aura du contenu. Qui m'intéresse, parce que du contenu il y en a, mais il m'intéresse pas forcément en fait. C'est ça le problème avec Star Citizen actuellement. J'ai l'impression qu'on peut pas monter là-haut, mais je suis quasi sûr qu'on peut en fait. Je sais pas escalader ça. Normalement, depuis le bâtiment, ça devrait être possible. J'ai dû louper quelque chose. J'ai dû louper quelque chose d'évident. Il y a des caisses de ravitaillement là-haut, je dois pouvoir grimper. Sérieusement, je monte où? Il y a des caisses. Plus on voit qu'il y a un cordage qui permet de traverser. Ben voilà. J'avais bien loupé un truc. Voilà, on a deux caisses de ravitaillement là-bas. Et là, c'est des cordages sur lesquels on peut grimper. On pouvait aussi grimper là, d'accord. Tiens, je vais en profiter d'avoir looté un peu de viande. On va faire des... Je sais pas ce que je voulais faire. Merci à l'œil. On va faire des potions. Voilà.
Ah, j'ai plus de fil. Et là, je suppose pareil, il me faut du fil. Pas le fil, j'en ai plus. Hein. Est-ce que j'ai encore des caisses de ravitaillement avec du fil? Un peu de fil. Voilà. On peut lui parler. Ouais, ouais, c'est exactement ça, c'est du jus de viande. Ah, c'est chiant comme ça quand t'as pas. C'est le casque de Persa. Je croyais qu'il était mort en bas, mais. Ça devait être là. Toutes ces ruses. Pourquoi? C'est rien de plus que de la torture. J'ai une théorie. Mais il faut un peu d'imagination. Jusqu'à présent, tes théories tiennent mieux la route que les faits. Écoute. Je crois que Léo et Ram ont tendu un piège à Ersa avec une nouvelle arme. Ils l'ont fixée sur ce trépied qui est là-bas. Elle tire des ondes de force ou de son. On dirait que ça a brisé ce rocher. Toi, je crois qu'elle paralyse les gens au lieu de les tuer. Elle a figé l'avant-garde ici. Pas de sang sur leurs armes. Ouais, grave, tu devrais les toucher. Mais pourquoi les paralyser s'ils voulaient juste les abattre plus loin? Ils essayaient de cacher quelque chose. Regarde, une pierre ensanglantée. Utilisée pour écraser le visage d'Ersa. Ou de quelqu'un d'autre. Visiblement, ces sangles ont été coupés. Comme s'ils avaient pris l'armure de quelqu'un. Non, 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 c'est impossible. Son corps est exposé publiquement à Méridian, et je l'ai vu. Tu as dit qu'elle était méconnaissable. Ils ont peut-être mis un autre corps dans son armure, quelqu'un de la même corpulence. Et ils l'ont défiguré pour qu'on puisse le prendre pour celui d'Ersa. Sa sœur serait pas morte, mais... Retourne à Méridian. Regarde à nouveau ce cadavre. Ce serait une séparatiste. Si c'est vraiment Ersa, je me serais trompée. Mais si j'ai raison... Alors ça veut dire que ma sœur sera en vie? Bon, j'y vais. Rejoins-moi dès que possible. Oui, mais pour moi, pour le coup, c'est pire encore. Parce que ça voudrait dire qu'elle a monté, elle a mis en scène sa mort. Et donc, qu'elle prépare un mauvais coup. Nouvelle quête principale, donc là c'est par rapport à Errand au Palais du Soleil. Je pense qu'on va retourner, on va continuer sur la quête avec Errand. Et après on fera la fin du créateur. Tiens, d'ailleurs, est-ce que je peux faire un TP là par contre? Parce qu'on va juste rentrer. Ah, quoi qu'il y a des feux de camp à débloquer. Et j'aimerais bien aller récupérer la fleur de métal. On n'est pas très loin pour le coup, il y a moyen d'aller la choper. On va partir au sud. On va aller récupérer la fleur de métal quand même. Parce que là pour le coup, c'est un endroit où on reviendra peut-être jamais. J'ai des réserves. Non, non, je ne joue pas à Dark Souls, les gens. Je sens qu'elle va être protégée, cette fleur de métal.
On sait jamais, ça peut servir. Ne tarde pas trop quand même. Ce lever de soleil sur la vallée. Ah, elle est là. Ça, c'est pas banal. C'est une marque de. C'est ma première marque de. Fin de la chasse. À l'attaque. J'ai compris comment il faut les abattre déjà. Arrête de bouger. Voilà. Il fallait leur crever les trucs, les poches de glace. Malheureusement, c'est pas forcément évident. Je suis relativement concentré. Ne tombe pas tout de suite. Je vais devoir abandonner autre chose. Allez, on va faire un TP, je pense, là. Dommage, parce qu'il y avait des trucs à débloquer, mais... Bon, on va faire un TP, là. Pour rentrer. Oh, il y a quoi, là? Il y a un projecteur. Ils sont limités les TP pour le coup.
tu le veux plus, tu pourrais me le donner gentiment. Non, parce qu'en fait c'est 9 grades. Donc la moitié des pièces, je les ai gardées. En gros, j'ai changé carte mère, processeur et RAM. Mes cartes graphiques, la LIM, tout le reste, tout ça, je l'ai gardé. Salut Lou Pépo, désolé de saluer que maintenant. Comment tu vas? Non, bah là on peut pas, c'est PlayStation. Hein. PlayStation 4, c'est manette obligatoire. Donc j'ai pas vraiment le choix en fait. Je n'ai pas vraiment le choix. Je faisais un truc à côté. Ah ok, d'accord, pas de soucis. Je vais garder ça pour la route. Pas de soucis. D'ailleurs, pour ceux pour qui l'histoire d'Horizon Zero Dawn vous intéresse, la première partie, enfin tout ce que j'avais fait l'année dernière à la sortie du jeu, je l'ai bien rangé sur YouTube correctement, donc vous avez les épisodes disponibles. Des petits épisodes tranquilles. Bah en gros c'est 20 heures de jeu en quelque sorte, hein. C'est 20 heures de rediff en live. Ah merde, j'ai oublié de prendre ce que j'étais venu chercher là. Il y a un projecteur et je crois qu'il doit être en haut de cette falaise. Je suis déjà en train de désespérer sur la manière de grimper là-haut. Est-ce que c'est une route, ça? Putain, si, c'est une putain de route, en fait. Voilà. Est-ce que j'ai galéré? Non. Stylé. Apocalypse merdique, jour 9. J'étais en train d'installer ma tente juste ici lorsque Wyatt m'a appelé. Je suis arrivé aussi vite que possible, mais t'étais déjà dans le coma. C'est dans la description, Timbien. On n'a même pas pu se dire au revoir. T'as les stats, t'as mon PC sur lequel je joue habituellement et le PC de stream. Non, c'est pas le DLC, Lou Pepo. C'est juste que j'ai repris le jeu en fait parce que je m'étais arrêté à cause de Mass Effect Andromeda. Qui était une bouse et m'a dégoûté de ce genre de jeu en fait. Et entre temps, bah, beaucoup de jeux sont sortis et j'ai pas pensé à y retourner. Et là, justement, on était sur une phase où c'était un peu plus calme. Et le fait d'avoir le nouveau PC, je me suis dit, tiens, je vais pouvoir avoir enfin une qualité correcte sur Horizon Zero Dawn. Et là, pour le coup, ça fait plaisir. Le jeu est tellement ouf, mais si le jeu me plaît bien, quand j'aurai fini, on fera le DLC. Hein. Elle est tellement sauvage.
En gros, les nouvelles pièces, c'est juste la RAM, la carte mère et le processeur. C'est ça les nouvelles pièces, c'est les seules nouvelles pièces. Ouais, mais on l'a tous senti, Loupépo. On l'a tous senti, mais on a quand même tous plongé pour aller vérifier. Ouais, pas mal du tout. J'ai bien fait de m'arrêter. Les ennuis viennent toujours de ceux dont c'était pas lui, c'était lui. Bah ouais, malheureusement ils ont fait trois super bons jeux avant ce qui s'appelait Mass Effect. T'es obligé quand il y en a un quatrième qui sort d'aller au moins vérifier si si c'est vrai qu'il est pourri quoi. Et quand tu confirmes, tu fais ok d'accord, c'est bon. Ah ouais. Astier dans le jeu, mais c'est tout. Bah, la voix de Astier, elle était sympa, mais en vrai, on s'en foutait, j'ai envie de dire. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais vérifier combien j'avais d'éclats sur moi. Pas beaucoup. Pas suffisamment. Donc on va continuer la quête. De mon frère aujourd'hui. Il est encore parti. Ça fait plaisir de te voir. Ok, d'accord. Ouais, oui, on va au palais là. Je suis invité au palais. C'est comme les Assassin's Creed. Ah, bah les Assassin's Creed. Moi c'est pareil, hein, les Assassin's Creed maintenant, je tombe plus dans le piège. Hein. Mais en fait c'est con à dire, mais je me suis arrêté, j'ai pris le Unity. Le Unity j'ai été dégoûté, mais genre sévère, je me suis dit mais c'est quoi ce jeu putain. Quand ils ont sorti le Syndicate, j'ai fait même pas j'y touche, je l'ai même pas pris, je sais même pas, j'ai même pas regardé des lives dessus, j'ai rien fait par rapport à Syndicate. Derrière ils ont décidé de faire une pause. Ils ont sorti Origin. Ça vendait plein de rêves, machin. C'était nouveau, c'était refait correctement, machin. Ils avaient changé des trucs. J'ai fait, bon, allez, on va quand même vérifier. Oui, ils ont changé des trucs. Oui, oui. Et là, quand j'ai vu la bande-annonce de Odyssey, je me suis dit, mais en fait, il n'y a que la en fait, il y a que le nom d'Assassin's Creed maintenant dans ce jeu. Il n'y a plus que le nom, en fait. Le jeu est totalement différent, ça n'a plus rien à voir, c'est totalement autre chose. Pour moi, c'est plus des... Ce jeu ne devrait plus s'appeler Assassin's Creed. Tu pourrais dire que c'est dans l'univers d'Assassin's Creed, mais en vrai, tu joues plus un assassin, tu joues juste un guerrier d'une cité, d'une certaine époque, dans un certain pays, qui règle des problèmes et tout ça, mais tout ce qui est lié aux assassins et tout ça, c'est tellement loin, c'est tellement... que je vois pas pourquoi ça s'appelle encore Assassin's Creed. Certes, c'est le même univers, mais le gameplay est totalement différent, ce qu'il y a à faire, c'est totalement différent, c'est devenu juste un vieux RPG, en fait, classique, comme tous les autres. Le système de combat est sympa, mais pour moi, le nom, il devrait plus y avoir marqué Assassin's Creed. Pour moi, c'est pas Assassin's Creed, c'est... Par exemple, le prochain, j'aurais marqué Odyssey.
World of Assassin's Creed ou une connerie dans le genre en dessous. Genre l'écran titre devrait être marqué Odyssée. Pareil pour Origin. Même j'aurais mis un autre truc plus lié à l'Égypte pour le coup. Mais là clairement Assassin's Creed non. C'est plus des jeux Assassin's Creed. Bonjour Aloy. On m'appelle Mara de l'Irréprochable. Viens avec moi. Ton expertise est requise de toute urgence. Bonne nuit, Scorpion. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est Eren? À l'intérieur, avec le Roi Soleil. Ouais, l'idée était bonne, mais ils ont fait tellement d'erreurs dessus. Et sans compter tous les bugs. Suis-moi, si tu veux bien. Tous ces gens sont ici pour voir le Roi Soleil? Oui, et tous sont venus lui demander un service. C'est ennuyeux, mais c'est la politique. Le Roi Soleil a hâte de te rencontrer. Toi, la dresseuse de machines au regard acéré. Tout cela est intrigant. Je ne suis pas là pour vous intriguer. Trop tard. Les Océram avaient déjà un traitement de faveur, et maintenant les étrangers de l'Est sauvage ont cessé le Roi Soleil. Je me fais dépasser par une étrangère? Inacceptable. Je suis là depuis 2 heures, et cette Nora passe devant tout le monde. Je suis une invitée d'honneur. Ignore-les. Les nobles sont comme des enfants qui pleurnichent quand ils n'ont pas une deuxième part de gâteau. Putain, mais c'est abusé le travail qu'ils ont fait sur cette cité. À quoi ressemble-t-il? Le plus important, c'est à qui il ne ressemble pas. Son père. Je pense que tu le verras comme un homme raisonnable. Oui, voilà, c'est ça. Ils peuvent plus dire que c'est des jeux Assassin's Creed. Aloy, c'est l'univers, oui. Celle qui peut voir l'invisible. Bienvenue. Mais le gameplay est trop différent. Il semblerait que tu m'aies rendu un grand service. L'histoire, c'est... Erend, voilà, quoi. Dis-lui ce que tu sais. J'ai vu la tombe d'Ersa. Si tu veux jouer à Assassin's Creed, t'achètes pas ces jeux. Le corps si tu veux n'a pas jouer sa cicatrice à des RPG monde ouvert, je l'avais blessé quand on était vas-y, petit. Vas-y, fonce. Vague histoire d'épée. T'auras ce que tu veux. Si le corps n'est pas celui d'Ersa, nous devons supposer qu'elle est en vie. Et en aucun cas, je ne l'abandonnerai. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a été emmenée. On ignore par qui. Je peux vous aiguiller. Ersa a un ennemi parmi les autres. Parce que la part RPG a pris un guerrier nommé Dermal. Impossible. Tous les clans de la Requête sont à ses trousses depuis la Libération. Il est forcément mort. Aucun autre Océram n'est assez rusé pour attirer Ersa dans un piège. J'ai des raisons de croire qu'il rôde aux alentours de la frontière. J'ai déjà envoyé un agent fouiller la zone. Il attendra nos ordres sur la place du marché du Belvédère. Les Océram considéreraient comme un affront l'envoi de troupes vers la frontière. Mais je peux envoyer des hommes de l'avant-garde. Et peut-être une Nora particulièrement douée aussi. Erend, Marad. Il me fait du grain. Laissez-moi parler avec elle en privé. Ah, il est amoureux. Ça y est. J'ai honte de te solliciter après tout ce que tu as fait. Mais ceci a une importance capitale pour moi. La partie multi surtout, Timbien. Moi j'ai beaucoup joué à la partie sur le multi, sur le Unity, et la partie multi. Parce que justement c'est un premier Assassin's Creed où le multi était intéressant. Je veux dire les missions, les trucs à faire en multi c'était vraiment intéressant. Et c'était tellement décevant, ça m'a tellement surpris avec tous les bugs, les, c'était horrible. Mais même dans le jeu il y en avait quand même pas mal de bugs. Hein. Il y en avait quand même pas mal, je m'en rappelle très bien. Il y avait plein de trucs qui fonctionnaient pas très super bien. Je suis arrêté sur le 3 avec je me suis dit que peut-être que l'origine va être bien et bah je me suis bien fait piéger. Ouais parce que c'était plus ça avait plus rien à voir. Moi si j'avais voulu bien faire, je me serais arrêté à Black Flag. Black Flag c'était le bah, pour moi c'est le comment dire? C'est pas le meilleur Assassin's Creed en proprement parler. Parce que Black Flag, c'est pas un jeu d'assassin. C'est pareil. À partir de Black Flag... Black Flag, c'était déjà pas un jeu d'assassin de base, en fait. C'était limite, on était déjà dans le RPG de type origine, justement. Mais il avait au moins la bonne part des choses de proposer quelque chose d'original. De vraiment original et vraiment sympa. Chose qui a été inspirée par le 3, qui pour moi était l'un des plus mauvais Assassin's Creed, le 3. Mais il avait le mérite de mettre plein de nouveaux types de gameplay, plein de nouveaux le parcours dans les bois et tout ça. Et le problème, en fait, ce qui a fait que ce jeu était moins bien par rapport à ça, c'est parce que le gameplay était buggé sa mère.
Mais une fois bien travaillé, sur Black Flag, il était comme ça. Le combat avec les bateaux, c'était comme ça. Les parcours dans les arbres et les bois, c'était comme ça. Et en fait, il a eu au moins ce mérite-là, l'Assassin's Creed 3. Mais clairement, oui, il fallait s'arrêter au Black Flag. J'ai l'impression que vous tenez beaucoup à Ersa. Sans l'aide de l'avant-garde au Céram, je n'aurais jamais pu libérer. Ah, mais moi, j'aime les pirates, donc c'est pour ça que j'ai approché. Mettre fin au règne sanglant de mon père. Depuis, il s'est avéré difficile de maintenir la paix entre nos tribus. Moi, je suis tellement fan des pirates. Mais Ersa a le don de faire entendre raison à son peuple. Tu comprends, j'ai besoin d'elle à mes côtés. Et vite. Ah non, il est déjà avec la sœur de l'autre, ok. Qui est Derval, au juste ? Pour comprendre Derval, tu dois d'abord comprendre mon père. Il était persuadé d'être un dieu soleil. Son esprit était brisé. Il pensait que les sacrifices humains résoudraient tout, en fait. Alors il faisait enlever ses victimes dans d'autres tribus, en particulier les Océram. Derval a riposté. Il a fabriqué des armes puissantes et a rallié son peuple. Mon père a réagi avec une cruauté inimaginable. Il a enlevé la femme de Derval et sa fille et les a sacrifiées dans la fosse. Mais pourquoi Derval se donnerait autant de mal pour enlever Ersa ? Il pense les deux, c'était les meilleurs. Elle a combattu à ses côtés jusqu'à ce qu'elle réalise qu'il comptait raser Méridian et massacrer ses habitants. En termes d'Assassin's Creed, les deux, c'était les meilleurs. Elle est alors le Brotherhood. Ensemble, nous l'avons arrêté. Et nous avons repris la ville de mon père. C'était les meilleurs Assassin's Creed. A passé toute sa vie à tenter de se venger depuis. Après, moi, j'ai adoré Révélation. Ciblant notamment les Océram qui nous ont aidés. Parce que pour le coup, on avait le droit à un Ezio. Il s'est fait tant d'ennemis puissants. Et puis c'était en Turquie. Je ne pensais pas le revoir. J'ai kiffé. C'était tellement bien avec le système de la tyrolienne et tout ça, donc c'était vraiment classe. Le crochet, j'adorais le gameplay avec le crochet, c'était vraiment cool. J'ai vraiment aimé le 2 Révélation. Enfin, ça m'a fait plaisir d'y jouer en fait, c'est ça. Après le Brotherhood, j'étais content de retourner sur un Assassin's Creed en fait. J'aimerais vous poser une question sur l'Hélium et sa politique. Je t'en prie. On dit que vous êtes un dieu soleil qui a tué son propre père pour rétablir l'harmonie entre les tribus. C'est la vérité ? On dit que tu peux voir l'invisible, fendre une flèche à 50 pas et apprivoiser les machines d'un regard. Où est la vérité dans tout cela ? Tout est vrai. On n'en est pas si loin que ça. Eh bien, j'aimerais rétablir l'harmonie entre les tribus. Mais tu as vu de combien de courtisans je dois m'occuper avant ? Un jour, peut-être. C'est une belle demeure que vous avez. Ouais, clairement. Vous pouvez presque apercevoir le peuple sous la Mesa. Tu n'approuves pas ? Eh bien, je vais te dire un secret. Moi non plus. Mais t'es stylé. Mais il faut être patient. Faut dire que ce personnage. Le changement ne se classe. Fera pas en un lever de soleil. Et donc le passage sur le 3. Un jour, si les hommes vivent dans des palais. J'ai même oublié peut-être. Son nom, tu vois. Un jour. Si des gens comme toi vois, m'aident 3, à mettre en place. J'aurais préféré que tout le jeu se déroule où on joue le vieux Kenway. Le Templier, plutôt que de jouer le... Merde, comment il s'appelle l'Indien là ? Parce que je l'aimais pas moi, qu'est-ce que je l'ai pas aimé ? Il était tellement pourri, il était tellement antipathique, c'était horrible. C'était horrible. Alors que pour le coup, son père, j'ai vraiment kiffé son père. Connor ? Ouais, peut-être que c'était Connor. Toi, tu dis Connor, je suis même pas sûr qu'il s'appelait Connor, tu vois. Tellement j'ai pas aimé. Votre politique a l'air très compliquée. Les Océram sont des amis, mais aussi des ennemis. Je n'aurais jamais pu libérer Méridian sans l'aide précieuse d'Ersa et de ses corsaires Océram. Nombreux sont restés pas ici. Pas de problème. Mais les clans Océram de la Requête se sont montrés extrêmement jaloux de leur réussite. Tout comme certains nobles Karja. C'est une situation instable. Notamment en raison des enlèvements qu'organisait mon père chez les Océram. Ersa maintient la paix.
Man promet un avenir avantageux pour tous. Mais certains, comme Derval, n'abandonneront jamais leur rancœur. Il a beaucoup de trucs à dire. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les Karja de l'Ombre? Quel est leur lien avec Ersa? Les Karja de l'Ombre sont des fidèles du régime de mon père. Ouais, je peux te dire, j'attends qu'une seule truc d'Assassin's Creed. Ils détiennent la forteresse de Brunant à l'ouest. J'en veux un dans, en Asie. Comme lui, ils au ne Japon, cherchent que la domination. On joue un ninja. Et veulent une fois qu'on a ça, au pire, un en Chine. En versant le et sang. Et après, je m'en fous. Après, j'arrête totalement l'Assassin's Creed. Depuis qu'Ersa m'a aidé à leur reprendre cette cité, ils font de parfaits boucs émissaires. Une fois que j'aurais eu mes... Derval le savait, bien sûr. Au moins un volume en Asie. Après, c'est bon, je me calme. Je veux jouer un ninja au moins une fois dans Assassin's Creed. Au moins un ninja une fois. Je dois continuer. Je sais. Bon. On dit qu'un roi ne supplie jamais. Mais je t'en prie. Aide-moi à retrouver Ersa. Qui dit ça? Marad, au moins. N'hésite pas à lui poser tes questions, à lui ou à Erend. Ils avaient parlé du Japon dans les trucs potentiels, mais ça remonte à plusieurs années de ça, tu vois. Et genre depuis Black Flag, ça remonte de l'époque de Black Flag. Et il parlait de faire un volume au Japon, potentiellement en Chine. En Chine, je crois qu'ils en ont fait un, mais c'était sur un... Je crois que c'était sur console mobile. Je suis pas sûr. Je crois que c'était sur... Genre, ils l'avaient fait sur Sony, ou sur la PSP, ou la PS Vita, je sais plus. Ils avaient fait un petit truc en 2D, où tu combattais... Je crois que c'était un truc en Chine, pour le coup. Qui tire. Oh, il te tire une tronche, le mec. On dirait qu'on lui a piqué son goûter. Rejoindre le belvédère. Ça, c'est un belvédère, on est d'accord. Hein. C'est quoi? Bon, je dois aller où là? Vas-y, envoie-moi encore plus loin. Mais je te dirai rien. Vas-y, vas-y. Ah ouais, mais c'est à l'autre bout de la map. On va faire de la quête secondaire là. On va faire de la quête secondaire. Parce que là, il me demande d'aller beaucoup trop loin là. Et là j'ai encore de la zone là à explorer là, putain. Oh, ce jeu est trop long. Ce jeu met trop de temps à se terminer. C'est pas possible. Ok, quelle quête on peut faire en attendant? On va faire la quête la plus simple en termes de niveau, et c'est la vengeance d'une fille. À la recherche des informations à propos de Nakoa. Va me faire 5000 d'expérience. Yann, un jeune Nora, s'inquiète à propos de sa sœur Nakoa, qui a quitté les terres sacrées afin de trouver qui a tué leur père. Ah oui, c'était au tout début ça. Il fallait aller plus loin, donc forcément... Ouais, mais des quêtes faciles. Ah oui, mais c'est les zones de chasse, c'est nul. C'est nul. Ok, on va s'occuper de l'enquête pour Nakoa. Reste sur tes gardes. Par contre, la question c'est où c'est.
c'est après la carrière. Sur le bord de la rivière. Très bien. Bon, on va pas utiliser de TP par contre parce que ça coûte cher. J'en ai pas autant que je veux. Vaut mieux les garder pour rentrer plutôt que pour sortir. Ces crapules de céramique. J'aime vraiment les tenues de ce jeu, sérieux. Oh putain, les artistes qui ont créé les tenues de ce jeu, j'aime vraiment. Là, la tenue qu'ils portent, c'est tellement stylé. Avec les deux lames là accrochées à la ceinture. Bon, j'aime moins ces chaussures. Ces chaussons là, c'est pantoufles. Ah ouais, mais la tenue, j'adore par contre. Regardez! Regardez la diversité en plus! C'est ça qui me trouve le cul, moi! C'est que vous allez dans n'importe quel autre jeu, vous avez à peu près une douzaine de tenues différentes, et après, tous les PNJ ont la même tenue. Mais là, j'ai l'impression qu'aucun ne porte la même tenue. On sent une vraie inspiration. Bon, bah là, voilà, c'est là, voilà, direct, on en voit deux qui portent la même tenue. Mais je veux dire, par là, c'est que la variété est tellement grande. Que pour le coup ça passe, à part si tu fais vraiment attention à observer et à regarder le truc, et ben tu le remarques pas en fait. Tu passes à côté et tu le vois pas. T'as l'impression qu'ils ont tous des tenues différentes, avec des changements de couleurs, des changements de texture. C'est pour ça que je trouve qu'ils ont vraiment fait un énorme taf là-dessus par contre. Ah, je sais pas si je le ferai, si j'aurai la patience en fait. Parce qu'étant donné que faut que je stream aussi un petit peu. En tout cas, je peux pas tout faire en mode je stream où je vais aller faire tous les petits trucs, les machins de mon côté. Mais après, de mon côté personnellement, comme ça, ouais, je le ferai. Mais déjà, j'ai déjà un autre jeu où je suis en train de faire ça, c'est The Witcher 3. Ça fait des mois, enfin, depuis que je l'ai fini en fait, là, ça fait plus d'un an maintenant. Je l'ai recommencé, mais là, je fais tout. J'essaie de le faire à 100%. Le problème c'est que je le joue pas tout le temps, je le joue peut-être une fois tous les 3 mois, donc ça prend du temps. Et d'ailleurs j'ai mis les DLC en attente de The Witcher 3, le temps de faire au moins de finir le jeu à 100%. Une fois que je l'aurai fini à 100%, je ferai les DLC de The Witcher 3. J'adore cette partie. Ah, ce jeu est tellement beau. Ouais, il me tarde de voir la série. Je sais pas quand est-ce qu'elle est censée sortir, mais une tarde devant la série. Mais bon, je préfère qu'ils prennent leur temps et qu'ils fassent un truc vraiment bien. Il y a une autre série que j'attends aussi avec impatience. Et par contre, c'est pas sûr qu'elle existe un jour. Ils avaient parlé de la faire et ça a été longtemps repoussé. C'est Cowboy Bebop en série aussi. Chaos dans l'Est sauvage. Vous me croirez ou non, mais Cowboy Bebop, j'adore. Alors que j'ai toujours pas fini l'animé. Je l'ai toujours pas fini l'animé. Parce que le truc c'est que quand je regarde Cowboy Bebop, je regarde un épisode. Et ensuite genre je laisse passer un mois avant de regarder un autre épisode.
Genre là, ça fait un an et demi que je suis Cowboy Bebop, mais je regarde genre un épisode par mois. Et c'est un kiff. À chaque fois que je regarde un épisode, c'est un kiff. Mais vu que chaque épisode raconte une histoire propre et tout ça, en fait, je prends tellement une claque que en fait, ouais, j'ai envie de laisser passer le temps. En fait, j'ai envie de laisser passer le temps pour me replonger dedans et vraiment kiffer le truc, l'univers et tout ça, une nouvelle histoire. Mais Cowboy Bebop, excellent quoi. J'ai dû voir. Ouais, je dois être au 14e, 15e épisode, un truc comme ça. Mais. En fait, il y a un vrai plaisir de redécouverte à chaque fois que je replonge dedans. Plus de place. Vas-y, l'univers, les personnages, ouais. Il y a tout. Des arts martiaux, du gunfight, des vaisseaux spatiaux. Très en blanc, ambiance blues, jazzy et tout ça. Franchement classe, quoi. J'ai presque pas de flèches. Ah oui, c'est vrai que j'ai une visée, j'ai un ralenti. Pas de fuite possible. Oh non, j'ai loupé la tête. Je dois poser quelque chose. Il me faut du fil. J'ai plus de fil. On a pas assez en fil. Il me faut bien plus. Les pièges de précision, là, j'en ai plus. En fait, là, faut que j'aille chasser pour looter de l'équipement pour refaire des flèches. C'est con à dire, mais là je suis arrivé à une phase où j'ai consommé tout mon consommable en fait. Et maintenant faut que j'aille chasser pour récupérer. Ça a l'air d'être de l'allier, c'est bleu. Là j'ai retrouvé plus de plantes médicinales. Ils sont en train de chasser. Je vais leur piquer le produit de leur chasse. Je dois me préparer. Salut, Sweetie, comment tu vas? Tu parles du jeu ou la qualité de mon stream? Ou les deux? Dites-moi qu'il y a du fil. Oui, il y a du fil. J'aurais dû prendre un chariot. Tissu anti-gel. Ah, c'est cool ça, j'ai pu récupérer un peu de fil. Tu m'as arraché à l'étreinte de vie. Merci. Je ramasse des plantes parce qu'il faut vraiment de la plante médicinale. Si je pouvais avoir au moins deux charges complètes, ça pourrait être cool. Ça, je crois pas que ça soit un peu plus. 600 000. Je
Je saurai quoi en faire. Allez, allez, on va de la quête. Bébé. Voilà le rocher solitaire. Mieux vaut être discrète. C'est peut-être un piège. Des gens à l'intérieur, hein, mais ils ne les indiquent pas à travers les murs. On va éviter de passer par la porte. Pas oublier que je dois viser à la manette. On dirait un avant-poste ordinaire. Je vais explorer les lieux. J'en ai marre. Il y a des chaînes dans ce chariot. Moi, j'en ai marre que tu dises que t'en as marre. J'en ai marre que tu plaignes que j'en ai marre. Je me plains pas que t'en aies marre. Je me plains de t'écouter te plaindre. Eh ben, j'en ai marre que tu plaignes que je me plains. Ne la fermez pas tous les deux. Je vais me plaindre. Assez. Mais ça va pas être beau. Ils sont pas très nombreux pour le coup. Ils sont trois, hein. Moi, j'en ai vu trois. Il me regarde, lui, hein. Il est tourné dans mon sens. Salut! Pas l'air d'être trop perturbé par ma présence. Halt, on ne passe pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Le préfet Zaïd m'a dit que des bandits avaient enlevé une fille par ici. Vous savez où il l'aurait emmenée? Ah ouais, Zaïd t'a dit ça. Il n'y a pas de bandits dans le coin, ma jolie. Mais je peux t'aider à retrouver ta copine. Le chef nous en a envoyé une autre. Attrapez-la et attachez-la. Là voilà. On dirait que j'aurais dû placer des pièges. Ah, tu l'as aimé celle-là? Je vois pas bien loin. Ah, putain, c'est peut-être loupé. Mourir. J'ai pas eu la tête. Oh. Voyons ce que Zaïd cache par ici. Pas que des chaînes, des entraves. Ils allaient emmener les prisonniers ailleurs. Pas dit de regarder un truc par là.
Je vais suivre une piste là. Avec le chariot, ok. Remontons la piste. Je vais mettre ça de côté. Grosse flèche. C'est vraiment peu. C'est vraiment peu. Forteresse là. C'est toujours utile, mais très amer. Cette fois-ci, ils seront pas que trois, à mon avis. Les traces mènent à ce bâtiment. Nakoa est peut-être à l'intérieur. Ah ouais, c'est quasi certain. Je pense qu'on va passer par la faille plutôt que de passer par le. Nakoa. Baisser le prix de vente. On dirait bien que Nakoa est là. Et je vais devoir passer ses gardes pour la rejoindre. Un de ces parasites dans la cave a essayé de me mordre. Ouais, ça arrive. Faut les fouetter. Mais pas trop longtemps, sinon ça se voit. Nickel, on va pouvoir sniper. Oh non!
Et voilà. Et j'ai même une clé. J'ai même récupéré. Pas de place. Là, j'ai plus que les deux guignols ici. Bon, j'ai une flèche. J'ai déjà trop de choses. Ah, j'ai oublié de passer à la vente. Pour ce genre d'objet. Ce jeu ressemble plus à un Assassin's Creed que... les Assassin's Creed du moment. Bah, ils sont équivalents en fait. C'est équivalent. Ok, donc Nakoa est là. C'est des fois que tu l'aurais pas vu sur ton scanner. Je pense. Des prisonniers. Enchaîné pour être vendu comme esclave. Genre les deux autres, je m'en fous, vous restez là. Nakoa, Yann m'envoie. Salut, je pourrais t'expliquer une fois qu'on aura sorti tout le monde de là. Yann t'envoie ? C'est incroyable. Une de ses prières a finalement marché. Yann Solo. C'est bon, j'ai la clé. Je vais aider les autres. Au travail. Parle à Nakoa. Elle saura quoi faire. Bah, comme si moi j'étais pas capable de te détacher. Mais c'est pas grave. Je savais que tu me causerais des ennuis, jeune fille. Mais ce que tu me rapporteras vaut bien qu'on se fatigue un peu. C'est terminé, Zaïd. Pour toi et tes hommes. Ah oui, il vaut mieux éviter de rester statique. On est d'accord. Les infidèles sont éliminés. Dallas. Ah putain, j'ai anticipé. Et j'ai plus de flèches. Seconde, je m'occupe de toi bientôt, mon pote. Crains les Nora. Ça va bien, ça va bien.
que... Loupe ton coup, comme ça il souffre. Putain, elle l'a pas loupé, fait chier. Celui-là ne méritait pas une mort brève. Ouais. Mon père était chasseur. C'est bien ce que je disais. Il m'a appris que tous les animaux méritaient une mort brève. Comment est-ce que Zaïd est devenu trafiquant d'esclaves ? Ces barbares que tu as tués, massacrés sur ordre de Zaïd pendant les raids rouges. Le nouveau roi Soleil les a exclus de l'armée. Zaïd a réussi à s'en tirer par ses mensonges. Et il a vu un bon moyen de gagner des éclats en mettant ses hommes au travail. Comment Zaïd t'a capturé ? J'ai essayé de l'attaquer au rempart, mais j'ai échoué. Il m'a laissé partir pour que ses hommes puissent ensuite me capturer. Et... après ? Il disait qu'il allait me vendre comme esclave, comme tous ces malheureux qu'on amenait ici toutes les semaines. Mais il a pris son temps. Il me battait à chaque fois qu'il venait par ici. Ma tentative avait blessé son orgueil. Ça va, pas trop secoué ? Ça va aller. Tu es sûre ? Zaïd est mort. J'étais prête à faire n'importe quoi pour l'éliminer. Et c'est fait. T'as pas eu à faire grand-chose, hein. Qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai fait tout le travail. Les autres sont restés enfermés des mois. Plus leur santé se dégradait, plus Zaïd avait de mal à les vendre. Ils ont besoin de nourriture, de repos et d'espoir. Je vais les mener à Méridian et m'occuper d'eux. Tu ne vas même pas essayer de rentrer ? Et Yann, alors ? Les matriarches m'en empêcheront. Même si elles acceptaient, je n'irai pas. Elles peuvent bien crever. Quant à Yann, je sais comment lui passer un message. Il va me manquer. Mais il saura que je vais bien. Il faut que j'y aille. En fait, je ne te connais même pas. Mais tu dois être exceptionnelle si on t'a nommée chercheuse. Si tu veux me raconter ton histoire, viens me voir à Méridian. J'y resterai jusqu'à ce que les autres soient remis d'aplomb. En attendant... Je pensais à prendre une autre quête. Merci. Merci de m'avoir aidé à éradiquer cette ordure. J'ai pas pensé à les prendre. Peut-être que je vais enfin pouvoir oublier Zaïd et faire le deuil de mon père comme il faut. Oui, dis ton père. Oublie ton père. Bon, maintenant, je vais looter notre ami qui est ici. Dès que les autres sont prêts, on part pour Méridian. Merci encore pour ton aide. Des éclats. Moi qui aime voyager léger. Mais les pièges, je suis déjà full en pièges explosifs. Ah non ? Attends. Piège explosif, c'est la détonation. Ah ouais, c'est ce qu'on pose. D'accord, c'est pas. Ok, très bien. Ensuite, ses potes. Que j'ai violemment tué. Ça, on est full. Des éclats. Je pourrais m'en servir plus tard. Je commence à être fatigué, les gens. Je commence à être fatigué. Je ne tiendrai pas jusqu'à 4 heures. Ça, c'est clair et net. Je suis à combien ? 1h45. Ouais, je vais quand même passer les 2 heures. Hein, parce que... Tiens, c'est vraiment un peu. Putain. Le jeu qui t'empêche de rentrer dans des bâtiments. Non ! Tirons-nous d'ici. Ah, j'ai oublié mon câble. Je pense pas qu'ils auraient foncé dessus de toute manière, mais justement, au moins ça bloquait un accès et je me faisais pas prendre à revers par derrière.
Bah parce que en règle générale, là je peux tenir jusqu'à 4 heures. Je me donne comme limite 4 heures. Maintenant, je tiens ou je tiens pas. Mais je me donne comme limite 4 heures. Pour le coup, ils nous ont remis sur la quête d'aller au Belvédère. Mais là on va faire peut-être autre chose avant. Ça c'est pour les zones de charge, je crois. Une quête là. Bon, on va retourner sur la fin des créateurs. Il y a un point de compétence à la clé. Ouh, j'ai du point de compétence. On a dit qu'il fallait qu'on débloque la double flèche en appuyant sur R1 pour augmenter la puissance. Et voilà qui est fait. Là, on peut même faire une triple flèche. Ça, maintenant que je me suis rappelé que ça existait, je vais l'utiliser aussi. Là, on va faire ça avant de débloquer la troisième flèche. Pour le coup. Il va falloir que je débloque le viser en équilibre. Augmenter la puissance de mes attaques corps à corps, les trucs comme ça là, il va falloir vraiment que je les débloque. Ah ouais, les lourds et élites, je peux pas encore les mieux attaquer en signe sûr. Pas que j'avais ça. Il y a moyen de faire une esquive beaucoup plus grande. Ah ouais, il y a une différence. Une différence notée. Où est cette quête donc? À 1200? Attends, non, je l'ai pas prise la quête là. Je l'ai pas prise. Je suis allé sur les compétences donc je l'ai pas prise. Quand même loin. Ah ouais, d'accord. Putain. Oh merde. Une là. Donc je suis obligé d'aller à l'autre bout de la map à quoi qu'il arrive. J'ai pas le choix. C'est tout ce qu'il me propose. On va retourner à Méridian et on va aller prendre les quêtes secondaires de Méridian. Et je vais voir qu'est-ce qu'ils ont à me proposer dans la région. J'ai 3 quêtes à récupérer là, donc on va y aller. Les chargements dans le jeu. Putain, PlayStation quoi. PlayStation. En fait, c'est ça, je suis tellement surpris
Entre ça, quand on jouait à Detroit Become Human, c'est pareil, il y avait des chargements extrêmement longs entre chaque séquence. Je me disais, mais pourquoi c'est long? Mais pourquoi c'est long? PlayStation. Voilà pourquoi c'est long. J'ai tellement l'habitude, j'ai mes deux PC, je suis sur SSD, donc forcément, moi j'ai plus ce genre de problème. Ah oui, pensez aller voir les commerçants pour faire de la place un peu. Alors te voilà de retour. As-tu trouvé des reliques Banouk? Ah oui, clairement, c'est la vie. Ça change tellement. Tu es prête? Alors négocions. J'ai pas trouvé de reliques par contre, mais j'ai des trucs à te vendre. Genre ça, bracelet noir antique. Couronne antique. Le fil on garde parce que j'en ai vraiment trop peu. Les racines, j'avais dit que je pouvais en vendre une bonne partie. La viande qu'il fallait la garder. Il m'en faut goûter trop et ça ne sert pas tant que ça en fait. C'est pour des protections contre la glace, pour les dégâts de glace, dégâts de feu et foudre et tout ça. Bon, en fin de compte, ça ne sert presque pas. Et là, le problème, c'est qu'en fait, j'ai des trucs dans mon inventaire qui prennent de la place. 46 sur 50. En fait, il y a des trucs purement et simplement, il faut que je les enlève. En fait. Il faut que je libère des slots. Et c'est avec ces trucs-là que je libère des vrais slots. C'est avec les lentilles... Le problème, c'est que je sais pas à quoi ça sert. Vert du désert... Ah oui, ça c'est purement à vendre, ça pour le coup. Ça c'est purement à vendre. Ah mais ouais, les lentilles c'est aussi c'est des trucs purement à vendre. Échanger contre des éclats métal, commercer avec des marchands. Ouais, on peut commercer avec des marchands, oui, c'est vrai, putain. Je sais pas si je libère des slots en vendant ces trucs. Je vais aller trouver un autre marchand. Reviens me voir si tu trouves des armures. Banouk. Et toi, l'étrangère, est-ce que tu as des reliques pour moi? Je n'ai que des produits. Je cherche un vendeur d'armures. Le roi Soleil Aval s'efforce de nous faire oublier la brutalité de son père. C'est tout. Là, il y aura une quête. Lui, ils vont des armures. On trouvera pas mieux ailleurs. Alors, tresse de cristal, cœur de testodien,
Elle, je l'ai déjà. Bon, déjà, les cœurs de veilleurs, je peux m'en débarrasser. Ah, je peux enfin me payer celle-là qui est très moche. Mais je peux me la payer. Forgeron sera une protection contre la foudre augmentée. Cœur de cracheur pour souffler. Et là, il me faut toujours le cœur de haute patte. Voilà, on l'aura acheté. Donc là, il me faut encore un truc et le cœur de haute patte. Ah oui, les lentilles, elles servent, mais pour des trucs un peu moins chers. Des trucs moins lourds. Donc en gros, ça m'intéresse pas vraiment les lentilles. Qu'est-ce qu'il y a pour d'autres trucs? Là, il manque que des éclats. Je vérifie si je peux vendre mes lentilles. Là, des munitions, donc des fils, des éclats principalement. Ouais, des éclats principalement, il est là. Les boîtes, on s'en fout. Pour les armes, j'ai ce qu'il faut. Non, il y en avait une que je voulais upgrade. Je sais plus c'est quoi. Je crois que c'était la fronde. Ouais, c'était la fronde. Il me faut une tresse de cristal. Pour upgrade ma fronde. Tresse de cristal. Ok. Donc tout le reste, on s'en débarrasse. Ok. Je vais pas me débarrasser de tous les cœurs, mais... bonne partie des trucs, quoi, ça. Cœur de brise rock, cœur des carapateurs. Je pense qu'on va garder les cœurs quand même. Noyau de machine, c'est juste qu'au gros, là par exemple, j'ai cœur de corne filante. Je vais en garder qu'un par exemple, là de cœur. On va garder un cœur. Cœur de brouteur, peau de sanglier, on va la garder au cas où. Ça, c'est le blaire de cerise. On va en vendre pas mal. Je vais tout vendre d'ailleurs. Écaille de poisson. Ça, je vais la vendre. Peau de dinde, on va la vendre. Noyau de machine, on va en vendre. Ah, ça, c'est seulement des trucs à vendre. Là, j'ai cœur de veilleur, on va en vendre 3. On fait des thunes, œil de métal antique. Ça, je crois que ça sert à rien, échanger contre des éclats, voilà. Et donc là, lentilles de carapace, les lentilles, on va les vendre. Os de sanglier, lentilles de veilleur. Coque d'écho. Fabriquer des munitions. Ah, je les utilise pas trop celles-là, on va réduire leur nombre. On va mettre. On va en garder 20, genre. Voilà. Pareil, brûlure de lampe à tout le monde. Là, on va garder qu'un seul chiffre au truc. Garder qu'un seul réceptacle métallique. Plan B, on garde un stack. Viande riche, c'est bon. Là, c'est de la viande, des fils, du bois, des racines. Ça, c'est bluette, on garde au moins un stack. Donc, c'est bon. On est bon. Et le bois, il se vend pas. Mais il se vend pas. Quoique je peux virer un stack quand même. Est-ce que je peux jeter au moins?
Non, j'arriverai pas à acheter. Je vais aller acheter mon autre armure. Il me faut un cœur de testodien et... de cristal, cœur de testodien, cœur de cracheur soufflé, cœur de haute patte. Donc c'est un cœur de haute patte et à la limite en deux je prends un cœur de cracheur soufflé, haute patte et soufflé. Que franchement ces deux armures là je suis pas pressé de les avoir. Quoique celle-là elle est plutôt sympa en fait. Ah, on va faire testudien et autre patte en fait. Où est le venteur de cœur? Où est le vendeur de cœur? Je crois que c'était le gamin. Lentille. Je crois qu'il y avait des cœurs. Oui, c'est ça. Donc déjà, le haut de patte. Ah, c'est pas donné, en fait. Cracheur boursouflé, il coûte super cher. Bon, on va pas le prendre tout de suite, alors, le cracheur boursouflé. On ne le prendra pas tout de suite. N'oublie pas de faire des provisions avant de reprendre la route. Ah oui, un moment. Ah, c'est un commerce voilà. Spécial. Tu m'as rapporté quelque chose de joli. Ah, marchons donc un peu pour ces merveilles. Qu'est-ce que je devais échanger avec toi pour tes boîtes? C'est des fleurs de métal. Ah oui, mais il en faut 10 de chaque marque. Donc ah ouais, c'est pas avant un bon moment, toi, en fait. Donc, à la prochaine fois, noble Nora. Tu aurais un moment, étrangère? Mais vivre ici, bon, pour les pas vraiment en pleine qualité. Où est celui... Elle, c'était pour les... Alors te voilà de retour. As-tu Banouk. Trouvé des reliques Banouk? Non, non, j'ai rien pris. Reviens me voir si tu trouves des articles Banouk. Dis-moi, est-ce que tu as trouvé des reliques Banouk, étrangère? Elle, ça sert à rien. Toutes ces décorations. C'est vraiment ridicule. Reste sur tes gardes. Où est l'autre? Genre le... C'est lui. Ouais, avec je me souviens de toi. Tu as les réceptacles que je cherche? Oui, oui, faisons vite. J'ai beaucoup de travail. Il va se masturber sur ce réceptacle. Dans la première vue, j'ai pas ce qu'il faut. J'en ai looté deux, mais... C'est pas ce... Il m'en manque encore deux au moins pour... Et là, quatre... Alors, allez en chercher l'autre. Je te laisse reprendre la chasse. N'oublie pas de fouiller dans les ruines. Robuste? Aguerri? Oui. Je souhaiterais te parler un peu. Voilà, la tenue. C'est elle. Elle est plutôt jolie. Fabriqué à partir des plus belles soieries de méridien, de courtes, de cuir et de pièces de machine. Cette tenue offre peu de protection, mais est entièrement personnalisable. Ça, c'est cool. Niveau mode, elle a 3 trucs de mode, donc c'est vraiment parfait. On la met pas tout de suite, parce que voilà, j'ai pas encore assez de mode, en fait. C'est le problème. Oh, des boîtes de modification.
s'il y a moyen d'en acheter une. Je vais craquer, je vais en acheter une. Non, je devrais en vendre quelques-uns, genre les plus pourris. Ceux qui servent à rien, là, je devrais les vendre. Genre, je garde les rares et les très rares, et tout ce qui est assez rare, je le vire. Ça me fera de la place. Puis ça me fera de la monnaie aussi. Voilà, tout le reste c'est du rare et de l'assez rare et du très rare. Je vais pouvoir lui acheter une boîte. On va lui prendre une de boîte très rare. Cette boîte doit être ouverte pour révéler son contenu. Contient une modification d'armure ou de tenue très rare aléatoire. Ah, c'est soit l'un soit l'autre. Putain, c'est chiant. Chier, vieille loot box de merde en fait. Totalement ça, une vieille loot box de merde. D'armes modifiées. Ouais, c'est pour les armes. J'aurais préféré une modification d'armure pour le coup. Ça aurait été quand même plus sympa. On va looter tout le bois parce que. C'est vrai que j'ai fait de la place là pour le coup. On va looter tout ce qui est lootable. Que j'ai. C'est abusé, c'est ça. Là, je peux même pas regarder, voir directement qu'est-ce que c'est les modes que j'ai équipés sur mes arcs. Ce que j'utilise le plus clairement, c'est mon arc de précision de l'ombre. Qu'est-ce que j'ai dessus? 15 de dégâts à déchirure. Il n'y a rien de très rare, ou... à part le maniement là. Il y a clairement moyen de faire un truc mieux là. Dégâts à déchirure. Il y a clairement moyen de faire un truc mieux. Les dégâts. Déjà, je suis quasi sûr que là, ça je dois pouvoir le changer. Bobine de dégâts, voilà, très rare. Plus 44 de dégâts et corruption, plus 15. Déjà, rien qu'avec celle-là, la très rare. Là, j'ai de la déchirure en très rare aussi. Et du maintenant en très rare. On va déjà lui mettre le dégât en très rare. Là, j'ai du maniement en très rare. Et là, j'ai de la déchirure et du dégât. Ben, on va en profiter, on va lui mettre la déchirure, comme ça on augmente la déchirure. Déchirure, maniement et dégâts. Et un peu de corruption en bonus. L'arme cheatée. Ouais, je passe à 78 en dégâts. Déchirure 42. Ouais, de partout ça a pris. Le lance-corde, on s'en fout.
La fronde, je l'utilise jamais parce que j'y pense pas. L'arc de chasse, je devrais l'utiliser plus souvent, l'arc de chasse. J'essaie de varier de temps en temps, mais c'est vrai que... Je vais voir qu'est-ce que je peux faire pour l'arc de chasseur. Je lui mets au moins un buff de feu et... des trucs de dégâts si possible aussi. Donc là il a de la rare, dégâts gel, feu maniement. Donc la feu maniement on peut lui laisser. Et là c'est du dégâts gel, attends on va vérifier. Mais là le feu maniement on va lui laisser. Ouais, dégâts gel, dégâts déchirure, dégâts déchirure, dégâts feu. Et là, il est 44 en feu quand même. Elle est quoi la glyphe là? Ah, je vais plutôt lui mettre la feu là. Là on va... Je vais enlever celle-là, on va mettre l'autre. On va mettre la 44 en feu. Simple. Là on va lui mettre un maniement parce que j'ai perdu un maniement. Un maniement simple. Là, on va lui mettre du dégât. Voilà. À la limite, le lance-câble. J'ai du faible en feu. Faible en dégâts. On va tout lui enlever. Et on va lui mettre un qui booste bien son feu. Bien si j'en avais un avec la foudre et le dégât. Là c'est une qui fait feu électricité, donc potentiellement ça boostait mon feu et l'électricité. Ça serait con de pas l'utiliser quand même. C'est quoi celui avec le plus de dégâts? 15. Et il a de la déchirure, mais la déchirure on s'en tape parce qu'il en fait pas. Donc on va peut-être plutôt lui mettre celui-là à 14. Rajouter du boost pour le feu, le reste c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est minime le reste. Parce que possiblement là je lui fais plus 18 en dégâts. Plus 33 en dégâts. Et là, je fais plus 48 en feu. Et je prends mon maniement. Je lui mets celle-là. Feu maniement. Voilà. Sauf que j'ai refait la même chose, je sais même pas. Attends, il y a des buffs là-dessus. Putain, déchirure, maniement là. Sur lance-corde, le truc qui a pas vraiment d'intérêt. Ah si, le lance-corde fait de la déchirure en fait. Ah si, ça a de l'intérêt en fait. C'est comme ça, je l'utilise pas.
Là j'ai un gel, un électrique, mais ils sont pourris donc on s'en fout. Bon, j'ai un truc avec de la bonne déchirure ici. Ah mais je lui en ai déjà mis un bien. Ouais, j'en ai déjà mis un bien donc ça sert à rien. Dégâts et gel, maniement et feu. Ouais, ça sert à rien. Je peux bien vraiment le mettre celui-là. C'est bon. Ça, c'est fait. Les autres armures, je les stuff pas forcément. À la limite, voilà. Nouvelle tenue. Rare, anti-attaque à distance, anti-attaque de mêlée, anti-gel, anti-feu, anti-feu. Là, ce serait bien de lui mettre un gros boost anti-attaque en fait. Il faudrait des meilleurs. C'est pas assez bien. Capacité de stockage. On peut faire ça, c'est vrai. On peut augmenter la taille des carquois. Je vais zapper ce détail. Oh non, j'avais oublié ce genre de détail. Prenons la quête. Où est-ce qu'elle est? Et toi, viens m'aider. Viens regarder. Toi, avec le troisième œil, j'ai besoin de toi. Écoute, j'ai deux bras au sérum bien robustes et je sais. Tu vas trouver quelque chose d'intéressant, je te Nora, s'il te plaît, il faut que je te parle. L'avant-garde n'arrête pas de chanter tes louanges. Tu es la Nora qui traque les criminels avec son troisième œil. Oui. Et si tu l'utilisais pour m'aider? Un cambrioleur est entré chez moi et a volé l'épée de mon frère. Ah. Tu me la donnes? Racontez-moi tout ça, dans les moindres détails. Un acte audacieux et professionnel. Il n'a pris que l'épée, mon bien le plus précieux. Il s'est enfui par la fenêtre sous les yeux de mon attendant terrifié. Mais sinon, son plan était parfait. Et pourquoi quelqu'un voudrait voler cette épée? Pour sa valeur. Elle est faite dans le bois poli d'une corne filante, incrustée tout du long de pierres précieuses jusqu'à... C'est bon, j'ai compris. Ouais, c'est trop bling bling. Son importance est tout autre. Le 12e roi l'a offerte à mon frère pour le remercier de sa loyauté. Il a été tué en combat pendant la libération. Je la gardais pour mon neveu, qui est bloqué à Brunante avec les Karjas de l'ombre. Que fait votre neveu à Brunante? La plupart des anciens prêtres soutenaient le roi Soleil Dément. À sa chute, ils ont fui par peur des représailles. En tant que garde d'honneur de l'un d'entre eux, mon neveu a été forcé de les suivre. Maintenant que mon frère est mort, c'est lui mon héritier. Cette épée lui revient donc de droit. Après tout ce qu'il a enduré, je ne pourrai plus le regarder en face si je ne la retrouve pas. Je vais voir si je peux faire quelque chose. N'hésite pas à aller voir mon intendant. Il a vu le voleur s'enfuir. Mais j'insiste, tout ce qui m'importe, c'est cette épée. Méridian, autant que ma famille d'ailleurs, a vu suffisamment de violence. Si je la retrouve, tout est pardonné. Je ne cherche pas à me venger. Ah, elle est pas trop élevée. Parler à l'intendant facultatif. Vous avez vu le voleur s'enfuir? Je me suis collé au mur, en fait. Je m'attendais pas à voir quelqu'un sortir par la fenêtre. Il m'est passé devant à toute vitesse avec l'épée vêtue de gris. Je n'ai rien vu d'autre. Par le soleil, j'ai cru avoir une attaque. Celui qui a créé ce chapeau... On devrait lui faire un procès. Ne passe pas à côté de cette occasion. Le roi Soleil Avad a rétabli le commerce avec toutes les tribus. Des gouttes de sang, elles mènent plus loin. Un vrai miracle du soleil.
Ah ouais, en vrai, c'est... Il n'y a aucun travail d'enquête, en fait. Il n'y a aucun travail d'enquête. Tu vas trouver quelque chose d'intéressant, je te le promets. Encore du sang. Je suis sur le bon chemin. Salamalek. D'autres traces de sang. Il s'est méchamment coupé. La piste s'arrête là. Mais quelqu'un a forcément vu mon voleur. Tout comme eux, il est beaucoup trop mou. Viens jeter un coup d'œil. Je te fais un bon prix. Je déteste cette statue de Tyrann. La vandalie. Tu as plutôt bon goût en matière d'habillement pour une étrangère. Le chef, il y a besoin. Pas de meilleure qualité ailleurs. Ah, il doit renverser son truc. Même peut-être piquer une étoffe. Vous avez vu passer quelqu'un, épée en main. Arrêtez le saignement. Mais oui, je l'ai vu. Il a pris du tissu sur mon étalage et a filé par l'escalier juste derrière vous. Il saignait, je suppose qu'il cherchait un bandage. Bon sang ! Ce tissu vaut une fortune ! Quand je pense qu'il va finir en vulgaire pansement ? Tu veux acheter quelque chose ? Et uniquement ce dont tu as besoin. Viens regarder, c'est gratuit. Je vais amener ton épargné. Est-ce que ça si le voleur est arrivé par là, il n'a pu aller que dans une direction. Tout droit. Ma fille s'est mise à fréquenter de jeunes Océra. Je me donne l'occasion de visiter. Aucune trace du voleur. Quelqu'un l'a forcément vu passer. Vous avez vu passer quelqu'un par ici? Quelqu'un qui portait une épée? Oui, il a failli me rentrer dedans. Il est passé sur le parapet et a emprunté le monte-charge. Vous le rattraperez pas. En revanche, j'ai pas vu d'épée. Il n'avait rien à la main? Non, rien du tout. Mais il courait comme un dératé. Le voleur a dû se débarrasser de l'épée. Mais où ? On l'a peut-être aidé. L'étal de cette commerçante ferait une bonne cachette. Cette tenue. Bien élégante pour une... Salut Crésius, comment tu vas? La vie et la requête n'ont jamais été simple. Les vivres ici ne l'est pas vraiment plus. Achète ce dont tu as besoin. C'est bon produit. Sur notre prochain combat, tu regretteras certainement de ne pas t'être arrêté. Le voleur s'est échappé, mais sans l'épée. Il a dû l'abandonner quelque part. Ici, par exemple. Non, j'ai rien à voir avec tout ça. Ouais. On verra ça quand les gardes viendront fouiller votre étal et interroger vos clients. Attendez, vous vous trompez. Vous avez la réputation d'éclairer les ténèbres, alors je suis sûre que vous allez comprendre. C'est vrai, l'épée m'a été remise et ensuite va, je l'ai donnée à quelqu'un d'autre. Oui, elle va être vendue, mais pas par profit. Les éclats iront aux plus pauvres. Vous pensez que je vais vous croire? Je peux vous le prouver. Allez au moulin à eau, en bas du village. Mes amis vous expliqueront. Et si vous n'êtes pas convaincu, revenez avec les gardes. Je ne bouge pas d'ici. Quand bien même, je vous retrouverai. Mais d'accord. Je vais aller voir ce moulin. Ok. Je ferai bien d'aller jeter un coup d'œil à ce moulin à eau.
J'ai entendu parler d'une machine appelée Rouge Mort. Il existe vraiment ? Quelqu'un a survécu après l'avoir rencontré ? J'ai les meilleurs marchandises de la région. Je travaille dur tous les jours. Je dors à point fermé toutes les nuits. Ils chantent fort, ceux-là. Achète ce dont tu as besoin. Putain. Ce jeu. Rien que regardez, j'ai tourné là. Il y a tellement de détails. Sur la structure. C'est juste abusé en fait. Ce jeu est abusément beau en fait. C'est un truc de dingue. En tout cas, cette partie du jeu. Il est abusément belle. C'est sûrement la flèche. Elle est immense. Ce ciel. Oh là là. Oh. J'ai crevé. Je pense qu'on fait cette quête et je vais m'arrêter là, moi. Après, je suis crevé. Village des pauvres. Il y a une quête au village des pauvres aussi. Atelier pour fabriquer des trucs, mais intéressant. Quand on reprendra le live dessus, je pense que ça sera, je commencerai sur cette quête. Alors, ce jeu est vraiment beau. Je le dis toutes les heures, mais j'en aurais sûrement besoin.
Non, on pourrait clairement me tendre un piège pour le coup. Je pense que c'est là en fait. Ouais, c'est là. Oh, il va être temps de retourner au boulot. Allez, encore une minute de répit. Annoncer ta venue, Aloy. J'imagine que tu veux des réponses. Eh bien, la situation est très simple. Nous collectons des objets auprès de gens qui n'en ont pas besoin, et les revendons pour venir en aide aux nécessiteux de Brunante. Ça reste du vol. Appelle ça comme tu veux. À des cochons qui occupent le haut de l'échelle depuis des générations. Ravan ne m'a pas semblé comme ça. Il est aussi répugnant que tous les autres. Il pue l'argent et le bonheur pendant que le petit peuple souffre. Et toi, t'es dans ta jalousie, c'est ça? Oui, oui, évidemment. À qui vont les éclats exactement, à Brunante? Pas à ces crevards de la forteresse. Les éclats nous servent à acheter à manger aux pauvres d'ombre coin et de quoi les soigner. S'ils sont à l'ouest, ils n'avaient pas le choix. J'en sais quelque chose. Ma femme a été enchaînée à d'autres serviteurs et emmenée avec eux. Ils sont morts de faim, encore entravés. Je suis désolé. Moi aussi. Et maintenant, où se trouve l'épée? Ici. Je l'ai pas encore vendue. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je reparte? J'aurais besoin de ton aide. Il paraît que tu es doué pour pister. Et mon associé Nassan a disparu près du rivage abrupt. Il se rendait à Brunante, avec toute une cargaison de nourriture. Si tu les retrouves, ça aidera beaucoup de gens. Je vais y réfléchir. Mais seulement si tu rends l'épée à Ravan. Je me doutais que tu dirais ça. Bon, je vais lui rendre son épée. Nassan devait retrouver son contact au feu de camp, au croisement près du rivage abrupt. Commence par là. Mais, attention! Il y a plein de machines par là, ainsi que des Karjas de l'ombre. Et pas les pauvres, tu t'en doutes, mais leurs bourreaux. Ils devraient être en train de combattre des machines au lieu de faire les 100 pas ici. Oula, 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 1500 mètres, 1500 pas. Tu m'envoies où, là? Ah ouais, quand même. Elle est loin ton intersection, tu rigoles pas toi. Ok, on va retourner à ce feu de camp là. Je vais sauvegarder. Et je vais m'arrêter là. Moi. Ça fait un peu cric indonésienne avec des constructions que ce pays est incapable de produire, bien sûr, mais bon. Ouais, ouais, sinon c'est pas drôle, ouais. Mais là, pour le coup, j'ai pas la force d'aller jusque là-bas. J'avoue, je me serais contenté de tuer 3-4 pecnos et la quête est terminée là, pour le coup, vu que je suis crevé. Donc là, je vais pas forcer et faire de la merde, je vais juste m'arrêter là. Tellement beau. Si les machines ou des bandits essaient de passer, ils vont passer un sale quart d'heure. Ils ont quand même fait un super travail en direction artistique, c'est super.
ont vraiment fait un super travail. Ouais, on est à juste 2h30 là, on est facilement ouais à 25h30, 25h30 de jeu. On est à 25h30 de jeu. Salut. Oh, il y a un mode photo. Un mode photo. Est-ce que je peux bouger là, s'il vous plaît? D'accord, donc oui, faut en fait, ouais, il est. Il est pas très. Là, en gros, j'aurais pensé qu'on pouvait vite fait se déplacer, vérifier des trucs, mais non, en fait, c'est. Ok, d'accord. C'est genre, il faut vraiment se positionner. Genre, comme ça, tu te positionnes, et là, tu fais pause. Et tu fais ta photo en fait. Le mode photo qui est un peu mal foutu. C'est pas genre t'appuies sur une touche, t'as le mode photo et puis là tu peux te déplacer vite fait autour. Au moins avoir ça, tu vois, pour pouvoir faire ça. Non, non. Ok. Ok, très bien. Ok les gens, bon, jeu PS4, c'est vrai qu'il est très qu'il est bien, ouais ouais clairement. Oh, c'est Destiny 2 sur lequel je me suis mis. Moi Destiny, le premier m'avait déçu, en fait ce genre de jeu ça me déçoit vachement je trouve. Déjà c'est des jeux shooters et tout, donc déjà de base je suis pas super fan, j'aime pas spécialement les shooters. Et les jeux shooters où tu dois vider 4 chargeurs pour tuer un mec, alors là, c'est le truc qui m'énerve le plus. C'est vrai que quand j'ai joué à The Division, c'est pareil, j'étais mais énervé, mais d'une force. Oh putain. J'ai un pote streamer qui s'est fait plaisir, ça a fini en fond d'écran. Bah ouais, bah là, maintenant que j'ai découvert, putain, en plus j'ai pris des bons plans tout à l'heure, c'est dommage. Ouais, tu me diras ça, tu prends les photos là, mais après c'est sur la Play, donc pour les faire passer sur ton PC et tout ça, c'est la merde. Donc c'est une petite galère. C'est une petite galère. Ouais, le problème c'est que moi j'ai plus le temps avec les MMORPG. J'ai plus la patience, j'ai pas le temps, je travaille, le stream, les MMO c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. Clairement, j'ai pas le temps de m'investir sur un MMORPG. Clairement pas. Pour ça, je me contente des RPG simples, comme ça, j'y joue quand j'en ai envie. Je suis dépendant de personne et je suis tranquille. Pour le coup. Le RPG, oui, ça passe. J'aime bien les RPG d'une certaine manière. Mais il faut pas que je sois obligé de faire des trucs en fait. Et le problème avec les MMO, c'est que souvent bah, tu joues en groupe, tu joues en guild, tu joues en équipe. Et donc il faut faire des trucs pour ton groupe, pour ton équipe, machin, et que j'ai pas le temps de faire. Hein. Là clairement j'ai pas le temps, j'ai pas envie de prendre ce temps surtout, et voilà. J'ai pas envie de le prendre. Donc voilà. Bon, en tout cas, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Oh, je suis plutôt content de ce week-end, j'ai pu mettre mon PC en marche, nouveau PC de stream qui fonctionne plutôt bien je trouve.
Là, avec les derniers réglages que j'ai fait là pour ce live, pour le coup, là, je pense pas pouvoir avoir mieux, par contre. Je ne pense pas pouvoir avoir mieux. À part si, étant donné qu'Horizon Zero Dawn, je le joue sur PC, si je le mets en 30 FPS, le stream, là, pour le coup, peut-être que je pourrais augmenter la qualité de l'encodage encore d'un petit cran supplémentaire. Faudrait essayer. J'essaierai peut-être, et on verra. Mais sinon, là, il est plutôt propre, quoi. En gros, je peux assurer du 720p 60 fps de cette qualité. Là, vous avez vu le niveau de végétation, des détails et tout le reste, et pourtant, ça reste relativement bien propre, donc j'ai pas à me plaindre. Donc, ça a été un bon week-end par rapport à ça. Je suis content, je suis satisfait, je vais enfin pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Et sans me soucier de la qualité du stream, donc c'est cool. C'est vraiment cool. Donc, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne semaine. Et les streams cette semaine seront en après-midi, entre 15h et 17h, logiquement. Ce sera des streams de 2 à 3 heures grand max, logiquement. Et à mon avis, ça sera essentiellement du Jurassic World Evolution. Ce sera essentiellement du Jurassic World Evolution, je pense, dans la semaine. Le week-end, peut-être que... Le week-end, je ferai peut-être sûrement un stream Horizon Zero Dawn. Mais ça m'étonnerait que j'en fasse un dans la semaine. Je pense que je vais me contenter du Jurassic World, comme ça c'est plus détente, je suis posé, après je pars bosser et je suis tranquille. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne nuit, je vous dis souhaite une bonne semaine. Encore merci d'être passé, de m'avoir suivi ce week-end, et pour ceux qui étaient là, de m'avoir aidé à configurer le PC, pour avoir vérifié la qualité surtout. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao.